Le Festival Mode et Design célèbre sa 15e édition ici même en direct de la Place des Festivals. 15 années de créativité 100% montréalaise. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici au Festival Mode et Design? Bien, déjà, on est en plein centre-ville de Montréal à l'extérieur. C'est une semaine de festivités dans le centre-ville, mais aussi un peu en parallèle, on a des événements au Casino de Montréal. Depuis hier, en fait, jusqu'à samedi, deux scènes, un podium de 100 pieds, une autre scène mat plus émergente pour des performances. On traite la mode de façon artistique, des bands, des conférences, donc vraiment un programme riche. Parle-moi un peu des conférences. Qu'est-ce qu'on va chercher comme information? Bien, c'est vraiment des conférences qui sont aspirationnelles. On est allé chercher des gens qui ont vraiment des créneaux particuliers, qui sont des leaders dans le domaine. On a Scott Schumann qui débute dans quelques instants, par exemple, qui est vraiment un des plus grands photographes de mode pour l'instant. On a entendu Les Oitiers en rencontre avec Ginny Becker. On vient s'inspirer au festival. Est-ce que tu dirais que la mode à Montréal est particulière par rapport à partout ailleurs dans le monde? Oui, bien, Montréal est vraiment vivant sur le point artistique. On a un événement comme le festival où on défait la barrière entre le public et la mode. On les met vraiment en contact. C'est une scène qui est très riche, vivante. On retrouve la même chose dans la musique. On est vraiment une ville créative. Et est-ce que la mode est en santé? Oui, la mode est en santé. Il y a plein de bannières qui fonctionnent super bien. On a donc des designers émergents, mais aussi des marques qui sont établies depuis des dizaines d'années qui fonctionnent super bien. Alors, on a la chance d'avoir la bronze qu'on croise comme ça sur la rue au Festival Mode et Design. Je voulais savoir, justement, on te vend en performance durant un défilé. Est-ce que tu avais déjà fait ça? Non, c'était la première fois. As-tu aimé l'expérience? Oui! Parlons de ton rapport avec la mode québécoise montréalaise. Je consomme beaucoup la mode des friperies, des échanges de linge et des ventes de garage. Honnêtement. Et ceci dit, chaque fois que je vois des créateurs montréalais, québécois, souvent je suis comme « wow », puis j'y suis sur Instagram. Puis oui, il y a beaucoup de talent ici. Made in Montreal. Yeah! Philippe, tu es un habitué du Festival Mode et Design. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la mode à Montréal? La mode à Montréal, pour moi, c'est primordial parce que ça fait partie de notre identité. Quand on voyage, partout sur la planète, on s'aperçoit que les gens ont un souci très important pour leur tenue vestimentaire. Je trouve que la mode vient enjoliver la ville de Montréal. Moi, ce que je souhaite pour la mode de Montréal, c'est qu'elle s'exporte davantage. C'est donc qu'on croit à nos projets un peu plus longtemps pour leur permettre de pouvoir maturer ici, qu'on puisse, après ça, la voir voyager partout sur la planète. Il y a quelques designers qui ont réussi à le faire. Moi, c'est ce que je souhaite vraiment. Et peut-être le designer qui t'inspire le plus ici à Montréal? Moi, je suis très inspiré. C'est pas un designer, mais c'est une maison qui s'appelle Horse, ici à Montréal, qui justement distribue à l'international. Puis moi, c'est ce que je porte depuis une dizaine d'années. Puis ça, je trouve que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne bien. Ludovic, BMW Québec s'associe encore une fois cette année au Festival Mode et Design. Vous êtes le transporteur officiel du festival. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? On assure le transport, on a prêté des véhicules marqués aux couleurs du festival pour transporter les invités des conférences. Ça nous paraissait normal d'être présent au Festival Mode et Design parce que BMW s'implique énormément dans les arts, dans le cinéma, dans la mode. Et nous, comme on est présent sur l'île de Montréal, on essaye de participer au plus d'événements possibles. Qu'est-ce que c'est pour toi la mode montréalaise? Avant tout, je trouve que c'est la créativité. On voit beaucoup de choses différentes. J'ai pas l'impression de voir deux fois la même chose lorsqu'on voit un défilé, lorsqu'on voit une présentation. Ça se renouvelle sans arrêt. Tous les ans, c'est différent. C'est très, très agréable de regarder tout ça.